Donc, bien sûr, à tous et à tous, les gens, c'est RegiGay71. Et donc, je retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, ça fait très longtemps, n'est-ce pas? Et donc voilà. Donc, j'ai décidé bah, de refaire des vidéos parce que, d'ailleurs, par contre, ça dépendra du temps que j'ai. Parce que voilà, donc oui, depuis lundi dernier, donc lundi 12 mars, on a tous repris les cours. Hein. Donc oui, aujourd'hui je n'ai pas cours, parce que ma prof n'est pas là. Et donc, vu que ça, comme ça fait que. Ça fait que. Et je suis entré chez moi, il était 9h et quelques. Voilà. Alors donc oui, j'ai une exercice 60 depuis Noël. Donc déjà d'une, je voudrais vous faire un nouveau flou, donc c'était juste une annonce aussi. Et aussi une partie 1, donc vu que je peux mettre des vidéos de plus de 15 minutes maintenant, ça c'est vos avis. Donc voici la jaquette déjà, voilà. Donc oui, j'ai la version classique. Donc ce qui change de la version originale du jeu, c'est que j'ai une musique du Tenkaichi 2, donc c'est juste ce qui est dommage, mais bon, après voilà. Donc je vous en montre. Donc c'est aussi mon premier jeu, donc on va commencer. Attends, un petit peu. Donc c'est un jeu déjà que j'ai fini sur que je trouve déjà long. Donc déjà dit, oui, il y aura sinon plusieurs vidéos, même si plus de 15 minutes, je ferai quoi, des parties entre 20 à 30 minutes hein, seulement. Donc je vais même vous laisser juste l'intro, mais juste parce que comme ça. Donc j'espère que je cadre bien, que vous voyez tout l'écran quoi, en fait. Surtout ce que je crains. Un peu baissé du côté de chez moi. Je sais pas si vous savez Spotify, mais bon, après c'est les mêmes images, rien ne change, il y a juste les musiques. Bon, après, gros défaut de la version classique. Donc, très bien intro, donc déjà dit. Donc eh bien c'est parti, hein, commençons. Donc oui, j'ai pris mon deuxième profil de l'Xbox, vu qu'en fait dans mon premier profil, excusez-moi si je parle un peu mal de voir, mais dans mon premier profil en fait j'ai tout fini presque, pas enfin, presque, je dis ça mais parce qu'il manque juste quelques images. J'ai fini ma galaxie avec, avec tous les personnages, donc oui, il n'y a pas de mode histoire, un gros défaut de ce jeu. Mais bon. Okay. Donc, comme chaque jeu des DBZ, ou chaque jeu que je connais les voix jap, c'est parti. C'est surtout sur les Dragon Ball Z que je fais ça. Donc, on a le menu qui est très beau, je trouve, avec des images. Donc. Ouais, changer les voix par les japonaises, parce que c'est plus. Donc déjà d'une, alors ce jeu est très long. Donc j'ai juste montré tout le personnage qu'on avait juste au tout début. Donc voilà, il y a un sacré paquet. Donc c'est pour ça. Donc vous le débloquerez tous dans le mode mode galaxie. Sauf un seul, mais ça on fera plus tard. Donc il est constitué comme ça, donc là après vous choisissez donc les personnages que vous voulez, parce que vous avez déjà.
Donc dans le mode Galaxy, vous débloquerez les transformations, mais dès que vous débloquez un personnage, vous les aurez directement dans notre combat. Donc on va commencer avec Sangoku, parce que je sais que c'est comme ça. Donc ici, on peut déjà obtenir deux succès d'un coup. Alors pour que je sais pas pourquoi ça va laguer, mais... Non, je sais pas du tout pourquoi ça lag, mais... Non, c'est pas... Non, je sais pas pourquoi, mais... Je pense que c'est assez chiant déjà. Parce que d'habitude ça ne le fait pas. On va descendre ceci. Alors donc les graphiques par rapport au Virgin Destin. Bon, je n'ai pas le 1 du coup qui a été une cachée, mais j'ai vu des vidéos déjà. Donc désolé si ça lag, mais je sais pas d'où ça vient. Je sais pas pourquoi ça lag. Hein. Ça lag que quand même. Non, c'est bizarre. Mais... Donc là, vous débloquerez des techniques, des transformations, par rapport à Mega Galaxy seulement. Et des personnages, bon les personnages et Dragon Ball, parce que en fait les personnages de Dragon Ball se développent parce que la mission du boss. Voilà, donc c'est parti. Donc ici donc il y a donc plusieurs missions. Donc là c'était vaincre les ennemis qui apparaissent. Là en fait c'est pareil, mais sauf que là ce combat là en fait il y a une liste d'actions parfaite qu'il faudra exécuter pour débloquer un objet qui vous servira que dans le mode galaxie. Nulle part. Vous servira plus là-dedans. Donc c'est parti. Et vous pourrez aussi lui donner le... Non mais je sais pas pourquoi ça va. Parce que j'y joue tout à l'heure et pourtant ça laguait pas. Bon, espérons que ça se réveille vite. Donc vraiment, dès que vous avez le jeu, je vous conseille vraiment de passer par le dictatiel. Bah, ça a l'air de plus laguer, enfin de temps en temps. Donc si ça bug un peu, c'est un peu ma webcam aussi, mais déjà que c'est ça lag un peu deux fois chez, sur ma Xbox, si ça me bug deux fois, avec de la, en plus de la webcam, ça va être chiant. Donc pour cette année 2012, j'ai prévu des niveaux de fou quand même, et là, bien sûr la suite est autre que j'ai déjà commencé.
Moi aussi, je sais pas pourquoi on débloque pas de succès, mais bon, c'est pas grave. Parce que cette partie-là va juste me servir juste pour le flou, mais après, c'est... Donc ça nous fait déjà 11 vidéos. 11 minutes, excusez-moi. Donc là, alors dans ce jeu, vous débloquerez des images, je sais plus si c'était possible dans 1 aussi, vous débloquerez voilà, des tenues, des images, des transformations, des points aussi, parce que ça permettra en fait de vous équiper bah, d'objets, donc les points c'est ici, vous les en gagnez à chaque fois après en combat, donc et puis après vous pourrez les équiper. Alors ce que je trouve aussi dommage, c'est que pour le Kingidama, qu'il soit en grand ou en super Kingidama, vous êtes obligé de lui équiper un objet qui va lui permettre de lui transformer le Kingidama. Donc ça c'est aussi un peu débile, je trouve. Je sais pas comment ça va être. Donc j'espère que ça va se régler pour les autres vidéos. Donc il y a aussi plusieurs niveaux de difficulté, il y a le mode facile, très facile, normal, difficile, très difficile, ultime. Si je les ai bien mis dans l'ordre. Donc aussi, il y aura deux fois des systèmes d'handicap, deux fois, soit c'est pour vous, soit c'est pour votre adversaire, mais il y en aura rarement pour votre adversaire que pour vous. Par exemple, vous aurez un moment, genre, je sais pas, moi... Que votre énergie se baissera toute seule. Voilà, donc c'est des handicaps comme ça, mais deux fois aussi assez chiant. Genre, des fois, vos attaques spéciales seront réduites. Ça aussi, c'est très embêtant. Mais bon, pour ceux qui savent jouer par cœur au jeu, enfin, qui connaissent tout, qui touchent et tout, pas besoin. Ils s'en fichent tous de la difficulté. Donc il y a un changement par rapport au régime d'instinct, c'est le régime sous ou le régime sur combo, c'est ou l'âme en français. Attendez, je suis de l'ordre sans faire un. Ah merde. Ah merde! Non, je vous en montre après. Malgré qu'il y a eu plusieurs critiques sur ce jeu, moi je trouve assez sympa. Vous y passerez longtemps dessus si vous voulez finir à 100%. Le Megalaxy, toutes les images et tout, c'est vraiment très long. Donc voilà, donc vous apprendrez, comme je vous l'ai dit, des attaques. Donc la partie d'esprit, dans mes souvenirs, ça vous transforme du Kenkidama en grand Kenkidama, celui qui fait contre les autres. Voilà, et aussi une très belle image, je trouve. Bon, deux fois, je me demande si en fait les images ne sont pas prises de DBZ et de DBZK, parce que deux fois, j'ai l'impression. Voilà, j'essaie de vous montrer. Alors, dans voilà, donc charge de Kenkidama, l'attaque ultime, le Sangoku en grand Là, donc aussi ce jeu sauvegarde après chaque combat et après chaque modification technique ou d'objet.
Putain, mais il y a 35 millions de vidéos. Donc oui, s'il y a eu un décalage de son et contre l'image de son, c'est pas vous ou mon PC, c'est le jeu qui a de la peur. Donc d'après ce que je vois sur la sur le PC, ça bug un peu avec la macam, mais... Donc maintenant, la prochaine fois, je me servirai de l'intro du jeu pour faire le trailer du mode fou. Donc je sais pas. Et donc j'ai pas fait sur cette vidéo, mais je préfère vous prévenir maintenant. Que vous soyez pas surpris. Là, je suis plus clair. Donc ceci c'est le type 1. Le jeu que je viens de faire c'est le type 1. Et donc là c'est regroupé par type et par. Et il y aura plusieurs personnages dessus. Donc, donc c'est le même avec son Goku, Super Saiyan 2. Super Saiyan. Le 2 et 3 c'est sur le. Non mais je vous assure, je sais pas pourquoi ça bug. Et voilà, lui c'est du frère. Donc on va se quitter pour cette partie que ça fait quand même 19 minutes que ça dure. Et bien sûr des scrolls, mais ça, je ne sais pas encore compter. On s'en fiche un peu. Donc on a fait quand même un bon paquet de combats pour une seule vidéo, je trouve. Après je sais pas si c'est votre avis. Mais donc on va se retrouver pour une prochaine vidéo parce que... déjà d'une, hein, il est midi et demi, je ne vais pas encore manger, je peux faire mieux. Okay. On est le 15 mars. 15 mars. Je dis 15 mars. Donc voilà, j'espère vous retrouver pour la suite. Ou bien sûr plus tard, parce que comme je vous l'ai dit, les vidéos je les ferai que quand j'ai le temps. Sachant que lundi, vous en aurez pas du tout. Ça, je vous préviens tout de suite. Parce que lundi, je finis à 5h30. Et quand je rentre chez moi, il est 6h. Donc je préfère vous prévenir quand même que lundi, il n'y aura pas de vidéo. Je ferai plus le mercredi, samedi et dimanche aussi, ça dépend. Tous les dimanches et tout. Donc, parce que quand même, j'ai remarqué quand même, en fait, mes workflows, c'est genre sur DBZ plutôt que Tankish 3 ou plutôt que 3. Les vidéos, je les faisais d'affilée, en fait, je les enchaînais. Des fois je les enchaînais, des fois pas trop, mais je les enchaînais presque tout. Donc maintenant que j'ai la possibilité de faire des vidéos de plus de 15 minutes, ça va beaucoup m'aider pour les recrues. Donc voilà, donc j'espère vous trouver pour la suite. Allez, à plus tard.